Bon, ça commence, parce qu'il faut quand même parler des choses réjouissantes dans ce pays. On va se poser tout doucement et énumérer les points qui font que notre équipe de France de rugby est un bonheur sans nom, pour que vous puissiez avoir toutes les raisons du monde de ne rien faire pendant 6 semaines, si ce n'est suivre très attentivement la compétition qui s'ouvre. Alors dans cette vidéo, on va parler sport, préparation militaire et terroir, explosion de saveur, c'est parti. Jamais un contexte n'a été aussi parfait pour remporter ce titre qui manque à notre palmarès. D'abord, on est chez nous. Ça n'était pas arrivé depuis 2007. Donc la prochaine Coupe du Monde à la maison, elle n'est pas pour tout de suite. Notre équipe joue devant son pays, dans des stades de fous, mais surtout, jamais dans notre histoire, on est arrivé la veille d'une Coupe du Monde avec autant de confiance. On est au top. Je le rappelle, et je sais que c'est dur à imaginer, surtout pour tous les rugbyx qui regardent le rugby depuis 3 mois, mais il y a 4 ans, on prenait des roustes par le monde entier. Mars 2019, les Anglais nous piétinent à Twickenham 44 à 8, aujourd'hui, on les retourne chez eux. Oh, bien joué ! Allez ! Allez, Damien ! Le doublé ! Le doublé ! C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui ! Mais rendez-vous compte, avant que Fabien Galthié, le sélectionneur, n'arrive en 2020, on avait du mal à battre l'Italie. On perdait chez nous face aux Fidji. On faisait match nul contre le Japon. Et alors face aux grandes équipes, c'était des déculottés, mon pote. Donc, message à tous les fans de rugby, les vrais. On est ensemble. On en a pendant 10 ans. Alors aujourd'hui, on se régale. Pour bien comprendre à quel point on est devenu des machines, en 4 ans, depuis 2020, on a battu tout le monde. Voilà, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas une seule équipe au monde qui ait résisté au 15 de France de Fabien Galthié. En Europe, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, dans le monde, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on a battu tout le monde, ça n'était pas arrivé depuis le mandat de Marc Livremont qui s'est fini en 2011. D'ailleurs, on n'avait pas gagné le tournoi Destination depuis 2010. On l'a gagné en 2022, il ne manque plus que la Coupe du Monde. Je suis obligé de faire une partie pour parler du GOAT français, Antoine Dupont. Petit retour en arrière. En novembre 2017, période très sombre pour nous autres fans de rugby, le 15 de France affronte la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour un test match de l'annuelle tournée d'automne. On a pris la fessée de l'année. Voilà le score à la mi-temps. C'est dur, hein ? Mais ce soir-là, un mec a retenu l'attention de tout le monde. C'est un petit demi de mêlée, il a 19 ans, il vient de Castres, et pour sa première titularisation avec le maillot bleu, il a éclaboussé le terrain de son talent. Dupont dans le fermé, il est tout seul. Il rebrousse chemin, Antoine Dupont, il y a des espaces, il a des cannes. Faut venir au soutien là. Bon, il était tout seul ce soir-là, mais c'était la seule note positive de la soirée. D'ailleurs, le lendemain, l'équipe titrait le néant et une promesse. Le néant, bon bah, c'était l'équipe. La promesse, c'était Dupont. On ne le savait pas encore, mais le pays tenait sa future superstar. Il a déjà été élu 3 fois meilleur joueur du tournoi Destination. C'est un record. Aucun Français dans l'histoire n'avait reçu ce prix. Il l'a reçu 3 fois en 4 ans. Mais surtout, il a été élu meilleur joueur du monde en 2021. Le mec a tout pour devenir le futur Zidane ou le nouveau Michael Jordan du rugby français. Le gars terrifie absolument toutes les défenses devant lui. Le monde entier a décrypté son jeu et a accepté l'idée que Toto était injouable. Et ce gars-là, pour tous ceux qui vivraient dans une grotte, est notre capitaine pour la compétition. Autant vous dire que ça sent bon. On va faire un petit point sur la préparation des Bleus. Le 15 de France, en 4 ans, est parti faire 2 stages de cohésion auprès de la Légion étrangère au camp de Carpiane. Le but, en chier, aux côtés du Major Gérald. Mais pas que. Galthié a fait apprendre à ses joueurs le code d'honneur de la Légion étrangère et l'a réadapté à la sauce rugby. Voilà ce qu'on enseigne dans les couloirs du centre d'entraînement des Bleus. Je représente le nom de ma famille, notre sport, notre pays, avec honneur et ambition. Chaque joueur du groupe France est un membre de ma famille, quelles que soient mes différences avec lui. La camaraderie et le respect sont notre force, le courage et l'exigence, notre vertu. Amen. Au-delà de l'aspect péchu et militaire de la prépa qu'on adore, Galthié a fait venir des personnalités extérieures pour construire une atmosphère bien franchouillarde patriote autour de l'équipe. Tout est pensé au poil depuis 4 ans pour que l'équipe puisse se nourrir de bonnes ondes, en invitant des gens inspirants de tous bords. Jean Dujardin, gros fan de rugby, est venu parler aux joueurs. Le chanteur Jean-Louis Aubert, Jean-François Clairvoy, un spationaute.
la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, Nicolas Karabatic, même Patrick Sébastien, est venu chanter une de ses chansons pour soutenir les joueurs avant la finale du tournoi des Six Nations 2022 face aux Anglais. C'est ma France. Un mot sur Fabien Galthié. Avant lui, se sont succédés différents sélectionneurs qui n'ont pas réussi à faire de la France une grande nation du rugby mondial. Voilà notre classement en 2020 quand Fabien Galthié récupère l'équipe. C'est quand même pas terrible, quoi. Ce mec est un artiste, lui et tout son staff. Galthié est un putain d'architecte qui connaît mieux que personne la science du rugby. Exemple, en 2019, voilà l'équipe type du 15 de France pour la Coupe du Monde. On fait cette année un tournoi destination absolument médiocre et une Coupe du Monde moyenne que personne ne retiendra, sauf peut-être lui. Bref, quelques mois plus tard, pour son premier tournoi destination, Galthié reprend quasiment poste pour poste les mêmes joueurs et ramène le 15 de France sur le podium de l'Europe en donnant, dès la première année de son mandat, des leçons de rugby à l'Angleterre, au Pays de Galles, à l'Irlande. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. Tout ça pour dire que Galthié et son staff transforment les joueurs et les subliment. Ce qui m'amène à aborder un point douloureux, les blessures. Il y a une malédiction. Paul Willems et Jonathan Danty, Cyril Baye, Romain Ntamack. La vie, cette sale race. Ça fait 4 heures. Mais sachez une chose, même s'il manque des cadres, Galthié est un alchimiste suffisamment prodigieux pour battre n'importe quelle équipe en face. Avec une équipe B en 2021, les Bleus se sont imposés contre l'Australie en Australie. En 2020, une équipe largement remaniée avec beaucoup de novices avait tenu tête aux Anglais en perdant en prolongation à Twickenham, un exploit à l'époque. D'ailleurs, petit aparté à propos des Anglais, aujourd'hui, vu le niveau actuel de l'Angleterre, même avec le 15 des curés de Montélimar, on s'impose. Aucune inquiétude, le groupe France est construit depuis 4 ans. Les remplaçants ont tous largement le niveau international. Le rugby, les rugbyman, c'est les copains. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé quoi. C'est une bande de mecs enracinés. Faudrait aussi faire une vidéo entière sur la reconversion des joueurs du rugby une fois à la retraite. Mais si je résume, combien de joueurs internationaux une fois à la retraite se sont reconvertis vers une voie terroir, mon pote? Louis Picamel, l'un des meilleurs joueurs français de la dernière décennie, a pris sa retraite en 2022 et est devenu éleveur de chèvres pour lancer sa production de fromage à côté de Montpellier. Rémi Lamera, lui aussi nouveau retraité après une très belle carrière en top 14 et avec le maillot bleu, s'est reconverti dans la viticulture en Gironde et a lancé sa propre exploitation, le domaine Grand Jour. Et enfin, notre capitaine, Antoine Dupont, élève des ports noirs de Bigorre avec son grand frère Thomas dans les Hautes-Pyrénées. On imagine donc qu'à sa retraite, il développera l'affaire familiale à Castelnau-Magnouac avec sa famille. J'ai toujours été fier d'appartenir à ce territoire. C'est pour ça que c'est aussi important pour moi de revenir ici. Ça fait du bien de se poser, d'avoir déjà le calme, de voir les Pyrénées, surtout nos proches. Tout ça pue la France. Le rugby est un sport de clocher avec une identité rurale bien singulière qui n'existe nulle part ailleurs. Et Galthié le rappelle à son équipe tous les jours. Chaque joueur a sur son maillot le nom de son club formateur avec des noms de villages comme Montrégeau, Condomoise, Pouillonnaise, Échirolles et j'en passe. Et je finirai cette partie franchouillarde patriote sur les mots de notre trois quarts centre Gaël Ficou dans les colonnes du Figaro il y a quelques mois. Je suis amoureux de la France, je suis patriote au plus haut point. Je pense qu'on est tellement chanceux d'être français. Je suis français à 100%. Aucun sport collectif ne peut garantir des moments aussi puissants que ça. Non, parce que c'est bien de parler de la fanfare, de la bière et tout ça. Mais à un moment donné, le combat, le terrain, le courage, rares sont les sports collectifs capables d'offrir tout ça avec autant d'intensité. Surtout pendant une compétition internationale. Alors accrochez-vous bien parce qu'on démarre les blagues vendredi.
Imaginez la fête le 28 octobre au soir, si cette équipe-là remporte pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde de rugby. On connaît les victoires en foot et les grandes liesses populaires, on a eu la chance d'en vivre plusieurs ces dernières années, mais venez découvrir la fête que seul peut offrir le rugby. Déjà quand l'équipe gagne le Grand Chelem en 2022, l'équipe chante « Rosie » de Francis Cabrel dans les vestiaires. Alors un soir de victoire, ça va chanter fort du Joe Dassin, du Sardou, du Johnny et du Fruit from Desire, parce que faut pas déconner, ça reste un classique. Aussi, une victoire en Coupe du Monde vous permettra de vous intéresser le reste de l'année à nos deux très beaux championnats français que sont le Top 14 et la Pro D2. On a véritablement les championnats les plus spectaculaires d'Europe, et ça, toute l'année, tous les ans, pas tous les 4 ans. Alors maintenant, Cyril, Julien, Winnie, Thibaut, Cameron, Charles, Grégory, François, Antoine, Mathieu, Jonathan, Gaël, Damien, Gabin, Thomas et tous les finisseurs, par pitié, faites-le.